Bonjour, alors vous êtes sur le point d'écouter une nouvelle compo, mais je voulais la présenter en fait puisqu'il y a un petit contexte autour un petit peu particulier et du coup voilà. Alors il s'agit d'une commande, une commande faite par un orchestre d'harmonie, l'harmonie Aubiéroise qui est un orchestre de la région de Clermont-Ferrand. Et parmi eux, il y a un certain Philippe que je salue et qui m'a contacté parce qu'il connaissait mon boulot et il a proposé à cet orchestre de me commander un morceau pour ouvrir leur concert de célébration des 30 ans de l'harmonie. J'ai accepté. Et du coup, vous avez compris peut-être ce qu'il y a de particulier autour de cette œuvre, c'est que un orchestre, avec des vrais musiciens, a joué ce que j'ai écrit. Donc je ne vous cache pas que j'étais un petit peu en stress au début, mais je m'étais dit, ah, mais en même temps, c'est un gros challenge, quoi, parce que ça change de juste écrire quelque chose qui va être joué par des instruments virtuels sur mon ordi. Non, là, c'est des vrais musiciens qui vont lire une partition, déchiffrer et la jouer. Donc, je vous cache pas que le boulot a été, enfin, je l'ai sous-estimé, il a été très conséquent. J'ai reçu de l'aide. D'ailleurs, je remercie Vled et Adrien de la chaîne Syllabéo, qui m'ont aidé justement à améliorer tout ça. Et puis, les retours que j'ai eus m'ont permis d'avoir une partition jouable. Alors, le morceau en soi n'est pas extraordinaire, il est pas ouf. Alors moi, j'en suis content. Je trouve qu'il donne la pêche. Hein. C'est ce qui m'avait été demandé, hein. Quelque chose de dynamique, d'entraînant, bah voilà, de festif pour célébrer les 30 ans de l'harmonie, donc un truc un petit peu, voilà, un peu fanfare, quoi, dans l'idée. Ça a marché, je pense. Et en tout cas, ça a été fait et ça a été joué. Donc je suis allé là-bas pour ce petit concert, puisque enfin, pour moi c'était trop important, quoi. Donc je suis allé voir, j'ai présenté même le morceau et j'étais très très fier. Et ça a été capté. Donc j'ai des rushs vidéo et audio de ce concert-là. Mais ce que je vous propose, c'est d'en fait écouter une version audio produite, voilà, programmée avec des instruments virtuels sur mon FL Studio, pour ensuite peut-être, si je peux, diffuser la vidéo, voir donc la vidéo du concert lui-même et donc de l'orchestre qui a joué ça. Voilà, si je peux la mettre en ligne, je le ferai, mais avec les droits à l'image, je sais pas encore trop. Mais dans tous les cas, là, je vous propose d'écouter cette musique. Alors, entièrement virtuelle, presque entièrement, puisque j'ai quand même enregistré les parties de trompette 1, 2 et de cor 1 et 2, puisque je peux à peu près le jouer. Mal, mais je peux à peu près le jouer. Donc voilà, c'est mixé vite fait, c'est pas ouf, mais ça vous donnera une idée. Et puis après, vous pourrez peut-être, j'espère, voir la représentation de l'orchestre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, je vais remercier Philippe encore une fois, je vais remercier tout l'orchestre et tous les musiciens, parce que peut-être qu'ils vont regarder cette vidéo. Vraiment super, enfin, je suis très heureux, très fier et très content du résultat. Donc bravo et merci à vous. Et puis je remercie Julien, Jess Altman, pour ceux qui connaissent, qui m'a prêté sa caméra pour que je filme le concert, mais aussi cette vidéo-là, l'intro et puis mes prises trompette et cor. Merci tout le monde, c'est super. J'espère bientôt reprendre vraiment les vidéos sérieuses, les partoches. En attendant, eh ben, je vous remercie de regarder ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner un avis, une remarque. Il n'y a pas de souci. Je vous embrasse. Enjoy!